heureuse qu'on ait pris vraiment la mesure de ce qui s'est passé et que ce soit le joueur en question et les équipes et les clubs, les deux clubs, qui s'en soient saisis derrière. Et voilà, aujourd'hui, il faut s'autoriser à réagir. Il n'y a plus de raison de rester les bras croisés quand on entend ça dans un stade, puisque à l'extérieur des stades, c'est interdit. Donc on peut aussi, comme c'est le cas en Italie, en Espagne, réagir de manière forte face à ce phénomène qui ne doit pas exister dans les stades. C'est toujours derrière le phénomène de groupe, de dire on ne peut pas repérer, il y a des caméras partout, on peut regarder, c'est diffusé à la télé, on peut très bien regarder dans les tribunes comment ça se passe et qui enclenche ce type de réaction, de cris, de chants.